Le 18 octobre 2005, Charlotte Dipanda accouchait son premier enfant, son nom Jadi Dipanda, qui est jusque-là son unique garçon. En 2016, à la question de savoir pourquoi elle n'était pas encore mariée, elle répond qu'être mariée n'est pas une fin en soi. Pour elle, tous les gens mariés qu'elle connaît sont malheureux et que le mariage n'est pas un objectif ni un truc qui l'empêche de dormir la nuit. Mais à la grande surprise du public, le 21 décembre 2022, Charlotte Dipanda est devenue l'épouse de Fernand Lopez, ancien combattant d'arts martiaux mixtes camerounais-français et actuel entraîneur de MMA. Après un an de mariage, on voit une Charlotte Dipanda totalement amaigrie dans des vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux. Une affaire qui a suscité l'inquiétude des fans. Cette fin du mois de mai 2024, Charlotte Dipanda est donc le nom qui est sur toutes les lèvres depuis l'apparition de ces images devenues virales, alors que l'artiste est du retour dans son pays natal, le Cameroun, pour le concert. Plusieurs internautes ont commencé à pousser la curiosité et conclure que Charlotte Dipanda est certainement enceinte, vu aussi le changement de son teint. L'amaigrissement et le changement de teint sont parfois des signes visibles d'une grossesse. Elle a tenu à rassurer le public qu'elle est en bonne santé et que tout va bien. Fernand Lopez, quant à lui, est père de deux filles nées de précédentes relations. Pour les faits, Fernand Lopez a divorcé de son ex-femme à cause de violences conjugales. En attendant une confirmation de l'artiste sur sa grossesse, Jadi Dipanda, aujourd'hui âgée de 18 ans, est pour le moment l'unique enfant biologique de la chanteuse Charlotte Dipanda. Lors de l'anniversaire de son fils en 2023, l'artiste a exprimé sa gratitude d'être devenue maman le 18 octobre 2005 et comment son fils lui apporte un bonheur immense. Elle s'est dit fière du jeune homme qu'il est devenu, assurant qu'il est un fils exceptionnel, un grand frère aimant et un ami sur qui on peut compter. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Veuillez nous laisser un like, un commentaire pour vos avis et surtout de vous abonner si vous découvrez la chaîne pour la première fois. À bientôt.